Bonjour, élève harmoniciste. Ici, c'est la vidéo du samedi midi. Enfin, c'est la chaîne YouTube Armo Chopin, mais c'est l'heure de la vidéo du samedi midi, puisque nous sommes samedi et qu'il est midi. Pour cette fois, j'ai choisi un morceau de rock. Ah oui, tiens, ça change un peu. Bon, matinée de jazz quand même. Bon, jazz rock, on va dire. En fait, c'est une balade rock qui a été reprise de façon binaire avec un accompagnement... Voilà, entre le jazz et le rock. Disons que ce n'est pas un rock dur, c'est un orchestre de jazz avec des instruments électriques qui joue une balade rock. Bon, ce morceau, c'est « Every Breath You Take ». C'est un morceau de Sting. Ah oui, c'est rare que je te parle de Sting dans les vidéos de samedi midi, c'est la première fois en fait, mais c'est vraiment une balade magnifique. Franchement, j'adore jouer cette balade. Donc, je te fais une démonstration à l'harmonica sur une bête de course en si bémol. Et si ça t'intéresse, je t'expliquerai à la fin de la vidéo comment toi aussi, tu peux apprendre à jouer ce morceau. Thank you.
Vraiment, c'est un régal de jouer cette balade de Sting à l'harmonica. Franchement, si tu as aimé ce morceau, bah écoute, je vais t'apprendre à le jouer et tu vas te régaler. Alors, une petite indication très importante quand même, ce n'est pas un morceau pour débutants, ce n'est même pas un morceau pour ceux qui commencent à être à les altérations. Non, c'est un morceau de niveau 3. Et oui, carrément. Niveau 1, c'est quand tu sais jouer toutes les notes aspirées, essoufflées, naturelles sur l'instrument, ce qui est déjà pas mal. Niveau 2, tu es capable de jouer aussi toutes les altérations aspirées. Et niveau 3, tu sais jouer également les overblows. Bon, les overblows, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a un seul et c'est l'overblow en 5, qu'on joue deux fois sur ce morceau. Donc si tu commences à travailler les overblows, bah, ça peut être l'occasion de travailler ce morceau de Sting, Every Breath You Take. Comment faire? Eh bien tout simplement, tu cliques sur le i comme invitation ou sur le lien en description de cette vidéo. Tu vas être redirigé sur le catalogue de tous les morceaux qui sont disponibles pour apprendre à les jouer grâce à la méthode dérive. La méthode dérive, c'est une méthode en 7 étapes qui te permet de partir de la partition d'origine jusqu'à l'interprétation, l'improvisation telle que je viens de le faire. À la fin du cours, à la fin de la formation en 7 étapes, alors ce n'est pas une formation qui prend 15 ans, hein, ça peut se faire en une semaine si tu as déjà un bon niveau à l'harmonica. Si tu commences les overblows, que tu as besoin d'encore un peu plus de temps, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois maximum. Et donc en prenant ce cours, tu as toute l'assurance de pouvoir jouer ce morceau avec la piste d'accompagnement que je te fournis. Tu peux jouer ça devant ta famille, devant tes amis, devant tes enfants, tes petits-enfants. À mon avis, ils vont être épatés, surtout si tu travailles bien les différents timbres que l'on peut obtenir avec cet instrument. Franchement, les 3 altérés 2 fois, wow, sont absolument magnifiques. Le 5 overblow quand tu le réussis. Enfin, tout est beau dans ce morceau, en fait. Voilà. Ok, bah écoute, amuse-toi bien avec ce cours et ce morceau. Donc, tu cliques sur le i ou sur le lien en description de cette vidéo. Et de toute façon, on se retrouve samedi prochain. Samedi, oui, mais samedi, midi.